hamuyafikisha misio, hamuyafikisha objektifu yenu kumwisho, mara mwa munafurahi. Kama muliikala na bamoni na bamonisko, eske munaweza ikala leo leo na leo leo, mara mwa munapata nini? Munapata kompromi eh? Sinomba kuobserve kuangalia kama kweli ile ndio yao wenyewe wanaitika bataitimiza. Jubi kwa hapa na vitu mingi ikakuwa kusema kama kweli wanaitika kuenda. Si batakamata bananza tu mabitu na shie bote tunaanza ona gisi kweli bananza tu mabitu, mabitu wabu binanza enda na bope ke bananza enda. Njyo sayi tutajua tunasema aa kweli iko kweli banaenda. Me kwa sasa hivi gisi bane leo munekala kikao baitike tu leo na leo leo muleve mezir. Eh? Hamoni kwanza kabisa gisi munataka danganyika, hamu ya atendre objektif, mara mwa munaanza furahi tu juu mulikala nabu kuongea nabu. Eh? Munajua nye siye population tuko tu modele ingine. Iye nye mutasema mara mwa kesho batu waingie musoko siye vitu gani. Batakuwa bakisha ingia musoko bananua machakula, eske kesho kutu tena mutabambia basifike musoko. Eh? Nye mukwe na mushimamo, juu ya nini munakuwa vile. Eh? Siye population tuko nyuma enu, siye tuko mumushimamo. Tuko na regrete kuona tagi si mko nakuwa nenda munadunga dunga maneno. Oh leo njoo itakuwa hivi, eh kesho njoo itakuwa hivi, kesho itakuwa hivi. Juu ya nini hamuna mshimamo? Juu ya nini hamuna mshimamo? Muone gisi tunafatiwa, muone gisi tunafatiwa. Ah please. Hii greve ilikuwa ya raha sana na ya hamu sana juu tulikuwa suteni na watu wa partiri ya Kinshasa. Munafanyaka magreve kila siku habi ya kuwaka vile maro ya hii turu kabisa, watu mingi bali tusuteniri. Asa olie tukue na mushimamo, mesie peke ndani yetu tuku natoka kukua batretre. Oh unona leo ikue hivi, oh unona kesho ikue hivi, oh ikue hivi, juu ya nini? Eh? Tukamate mushimamo, gisi tulisha shikamana mukono mukononi, njala haitatuua. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci encore une fois de plus parce que vous aviez été nombreux et vous êtes en train de réagir nombreux sur les émissions ici sur le soulèvement populaire qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons vous lire un texte qui est officiel de la Véranda Mutsanga et qui reflète effectivement la vie, la vision, disons la réponse à Madame Keïta qui a fait une conférence. Elle est arrivée à Beni où elle a causé avec la population. Elle a fait des révélations. Nous allons vous lire le texte officiel et comment faire avancer les choses. Et le point de vue, après ce texte, nous vous dirons ce que nous pensons et ce que le peuple Nande aussi. Il y aura, je crois, si j'ai le temps, de vous faire écouter les réclamations d'une maman, une simple citoyenne ou bien Nande qui se plaint de ce qui se passe exactement. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet et puis nous reviendrons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Au 16 avril, nous commençons par élection.net. Beni, Bintou Keïta décrit les rumeurs malveillants autour des opérations contre les ADF. Puis à RDC toujours, la MONUSCO annonce le déploiement de 4 unités militaires mobiles et réactions. On va sur actualité.cd. Assemblée nationale, les députés frustrés après la publication du gouvernement saisissent Félix Tshisekedi. Et puis Félix Tshisekedi à Brazzaville pour la cérémonie d'investiture du Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 23 ans. Congo profond, un seul titre,
cas, ça nous concerne. L'évaluation de la représentativité féminine au sein du gouvernement Sama Lukonde, émission et puis rapport mapping, mensonge grossier sur le ministre de la Défense. On va sur un 7 sur 7. Gouvernement Sama, le collectif des députés révolutionnaires a déposé son mémo auprès de Mbosso, destiné au chef de l'État. Et puis, le CAF attend mobiliser 300 millions de dollars pour la construction du port de Kasumbalesa. On termine par Radio Okapi, Sud Kivu, la population appelée au calme après la livrée à Baraka des nouvelles unités de FARDC. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée par ce déplacement du président de la République vers la République du Congo, où il est parti assister à l'intronisation du président du Congo, qui a été réélu à 99%, donc ce n'est pas notre problème. Nous nous concentrons justement sur la réaction de la population, sur la réaction de ces activistes de Veranda Mutsanga qui donnent un point de vue. Alors nous allons commencer à vous lire d'abord le texte officiel. Et puis à partir de là, nous allons voir si nous aurons le temps de vous faire écouter la réaction d'une maman qui aussi a donné son point de vue. Alors, commençons d'abord par lire l'avis officiel. Apa Njobatoto Veranda Mutsanga Banasema, ce qui s'est passé exactement dans cette réunion. En commençant par ci. Pas question de procédure. Ça, c'est un texte qui a été rédigé au 15, donc hier, après la réunion cette conférence de presse que ma maman Keita avait donnée aux enfants de Beni. Voici ce qu'ils ont dit. Pas question de procédure. Vous devez partir de chez vous. Dans le cas contraire, allez finir cette procédure à Kinshasa, pas à Beni. Nous rappelons à Bintou Keita que le plus grand droit, d'ailleurs, un droit sacro-saint, c'est le droit de la vie humaine qui est sacré. Lorsqu'elle invoque certains points, par exemple la réouverture des activités scolaires, commerciales, etc., c'est pas qu'elle se soucie de cette population, mais joue au retard, au renard, pour se faire passer comme celle qui aime la population bénitienne, oubliant qu'elle est à Beni parce que la population a demandé le départ de la MONUSCO, qui, malgré tous les moyens qu'elle possède, laisse passer libre à ceux qui nous égorgent pour nous exterminer. Malgré le nombre élevé de contingents de la MONUSCO, leur drone va continuer à protéger et ne pas aider l'armée à localiser les faux ADF sous prétexte qu'il y a des enfants et femmes dans le groupe, oubliant qu'ils nous égorgent. Pour la MONUSCO, vaut mieux protéger les faux ADF, n'est-ce pas donner la précision à l'armée sur le lieu où serait l'ennemi, parce que seulement il y a des enfants et femmes qui expliquent que cette femme est venue pour tromper, parce qu'elle ne peut pas inventer une nouvelle logique de travail au sein de la MONUSCO. Leur objectif est de travailler la conscience de la population civile de Beni pour qu'elle trouve sa propre extermination à côté des bases de la MONUSCO normale. Selon elle, il faut une manipulation politicienne pour que quelqu'un qui a perdu ses parents, ses frères et sœurs et amis puisse manifester. Propos qui prouvent à suffisance qu'elle minimise la disparition de nos très chers parents, frères et sœurs. Elle sous-estime nos morts. Elle ne partage pas nos douleurs. Vous avez fait 20 ans pour une mission qui pouvait prendre fin dans 6 mois. Il n'a plus confiance entre nous, la population et la MONUSCO. Nous sommes pacifiques, mais devant une forte simultanisation de vos bases, l'armée
qui tire moyennant toutes sortes d'armes sur tout celui qui veut venir exposer l'existence de la population civile, prétexte de votre présence à Beni. Vous voulez que la population se comporte comment? Chez vous, vous étudiez sous le coup de balle. Les portes des boutiques restent ouvertes sous le coup de balle. Si réellement vous êtes venu pour nous protéger sans agenda caché, vous ne devriez pas nous venir avec le langage de promesse comme si vous faisiez campagne électorale. Nous avons assez. L'important pour nous était que vous veniez nous dire « Nous quittons Beni tel jour ». Comme vous précisez, nous endurcissons aussi notre mouvement de grève. Nous ne négocions pas votre départ. Nous vous exigeons de plus faire semblant de nous protéger alors que vous protégez l'ennemi lorsque la population civile que vous êtes censé de protéger. Nous vous exigeons sans influence, sans manipulation, sans contrainte de quitter chez nous. Nous sommes très sérieux. Même si l'on nous dise que les anges sont descendus dans la MONUSCO, nous n'accepterons pas. Peut-être qu'ils nous viennent sous forme de la MONUSCO, aussi pas la force régionale. La guerre se gagne avec la confiance de la population. Nous n'avons plus confiance à vous. Comment croire vous nous protéger? Nous appelons le gouvernement congolais à saisir les instances internationales contre la MONUSCO qui a mené des missions avec légèreté jusqu'à laisser être massacrés les milliers de Congolais. Le nombre de Congolais dans notre foutue de mission, dans votre foutue de mission, ne nous intéresse plus, ne nous intéresse pas. Nous avons besoin de la paix, la tranquillité dans nos champs, nos villages, mais vous nous l'avez laissé massacrer. Notez bien. Peuple de Beni, ensemble nous sommes forts, prenons courage, nous sommes sur le bon chemin, nous allons saisir les touristes, nous allons réussir ces touristes, notre colère est maintenant au zénith, kama ni mwisho wa mwisho, vyakire. Papa, maman, commerçants, restez à la maison, gardez vos voitures et motos à la maison. Ils doivent partir. On s'en fout du procédure. Bintu Keita, Aoutou Moutsomane, Batumujali Ali, Hatumujali, Alikuwa Najisemako, Kama tuna marché pacifiquement, Mutapita Mfimbo, Mutapigwa Fimbo, Nakila Yaina ya Bunduki, Mutatutumia pendant. Kiswahili ya nguvu hii. C'était fait à Bukavu. Pour votre information, nous vous avons demandé de partir. Donc, les enfants de Mutsanga et de Beni demandent à la MONUSCO de partir na tutaendelea na hii maandamano. Madame a essayé un peu de se dérober en disant que la MONUSCO n'était pas responsable.
bandugu yangu mina bambia hivi. Adui wa kwanza tulitatua ba adui tatu hapa. Tulisema adui wa kwanza ni le gouvernement congolais mwenye alitaka MONUSCO. Adui wa pili ni ule mwenye ana ile armée yetu yenye ko désorganisé. Adui wa tatu mwenye ko sa patron hapo ni MONUSCO. MONUSCO kama tunamtosha tutakuwa tunakata kichwa ya hii masakre yenye ina nani hapa. Njo maana hatupaswi kubembeleza, hatupaswi kunegosie nabo tena. Nous ne devons plus négocier, il n'est plus le temps de négocier. Si Madame Keïta va aller négocier ses départs avec Kabila ou Tshisekedi, il est le grand temps d'aller qu'elle aille faire ses conférences à Kinshasa ou à chez Kabila, pas ici à Beni. Vous voyez, nous demandons les commerçants. Vous ne pouvez pas travailler pendant qu'on est en train de nous massacrer. Il mouvement bandugyangu musikilize, musiki atabienye ba mama, batyo tebiko banasema. Hatupashwe tena ta kuregeza singa, toko kiko lembisa singa te, lisusu te akoloba keno, tozonga sima. C'est mort si nous arrêtons ce mouvement aujourd'hui. Ces morts auront parti pour rien et nous aurons montré une faiblesse dans nous. Nous devons absolument continuer jusqu'à la fin du mois comme nous sommes assignés à faire et que ça puisse aboutir au départ définitif de la MONUSCO de chez nous. Nous demandons ainsi à tous ceux qui sont congolais, batiote benyabiko Kinshasa va continuer le mouvement parce que hatutamaliza hii shida kama MONUSCO hayaenda. Na MONUSCO ikishaenda tutabakia sio peke. Gouvernement congolais takosa namna gani ya kufanya, itakuwa kunegosie sasa na sio watu ya Beni ya kuangalia namna gani tutametre en place bitu ya kwenye ya kusimamisha usalama kwetu. Gouvernement ça itakuya saba tu Tshisekedi atafika sur le sol. Nous lui dirons maintenant qu'est-ce qu'il faut faire parce que lui ne connaît pas. Il ne sait pas aujourd'hui, il fait semblant de ne pas connaître. Il se dérobe derrière la MONUSCO en disant que MONUSCO t'a pu accouper. La MONUSCO est peut-être où madame elle se marque à se mettre. Haïko mabundu kinjo tamaliza vita kwetu. Haïko mabundu kinjo tamaliza italeta usalama kwetu. Iko usikilizano wa population. Sa population ta jisantir en paix. Na inakuwa na watu benye baneza kutu proteger. Na l'état yetu na simama. Sa tuta reorganize état yetu. Sa tuta parvenir kujidentifie. Na kujua nani njo nafanyaka nini kwetu. Njo usalama itakuyaka. Kama ile hayafika, hatuwezi acha MONUSCO kwetu. Na njo maana tunasema batu wenye biko banatuma ma message za mubaya, ba message za kulembisa singa komba loba kana lingala au bazolo ba o siko mama wana sia loba kike bakosala boy. Ile mission ya parlement yenye ko bana programmer aseme ono batakia kufanya ma mission pour manquete. Manquete ngapi zilishafanyika? Parlement viko na maraport za mingi depuis le temps ya ba Zakari ba babaso balifikaka kule baliye bana tuwa na maraport zote zinayala kule ku parlement. Hatuwezi itika ingine mission parlementaire ya kukua kutudistraire aseme oh no tunakuya kuangalia sasa kama tutatatua ishida na muna gani. Ma solution zote zilishaka paniwa na zinaandikiwa mu maraport kule ku parlement. Batoto ya Beni, batoto ya Butembo, batoto ya Veranda Mutsanga, batoto ya Furu, batoto ya fasi yote ya Isiro, fasi yote tusimame kama mtu mmoja saba kongole. Tusimame na tusikale, tusilembise singa. No to lembisa singa te. Na tunalomba muko kama mwenye uko batu ya kianda, bale banye miko bana tudirije, mukuwe konsia ke ma societe civile yetu yote, tuko nyuma ya kianda, kianda ikamate decision ya kufunga vitu yote, masomo isifanyike mpaka fin du mois hii. Mpaka fin du mois, siye tunasema hivi, kama hatufanye vile, kama hatufikie pale bandugu itakuwa, nous aurons perdu le temps inutilement ya kutoka mabalabala na kufanya manifestation. Tunisha tatua ba ennemi, ils sont en train d'être désemparés, ils ne savent plus. C'est ainsi que wananja kutafuta moyen kusema oh non, il ma grève, iko ma grève tribale ou quoi que ce soit, na kutosha ta mafranga. Les soupçons, je ne dis pas que c'est vrai, mais les soupçons c'est que MONUSCO a débloqué de l'argent pour commencer à faire la diversion parmi nous. Et parmi nous, ba toto ya Mutsanga, ba toto ya Furu,
ba combattant yote tukue match na tuangalie déjà qui est l'intrus na tuna bajua yoyote mwenye takuwa na discours contraire à ima manifestation zetu tumutoshe na tumuue. Excusez-moi le terme, en tout cas je retire ça. Nous ne devrons pas nous entretuer, mais les méchants, celui qui voudrait entretenir cette histoire-là, sera considéré comme un ennemi. Et vous savez le prix de l'ennemi. L'ennemi doit être écarté dans le mouvement. Nous connaissons. Usalama ya kwetu ina dépendre na sie peke bandugu yangu. Bandugu yangu, mina baita tena, mina sema, hakuna imu programe tena ingine ma manifestation semene nye tuko tunaanja. Ata tu programe na njo mana apport financier ya watu ya inje benye biko wana programe ma manifestation mu ambassade mu kwa ke ce soit haina maana, inafaa kusupporte peuple à la base. But benye biko na Kinshasa, kama mtawatumia matriko, kama mtawafaa nini, muangalie kama tuangalie kama tunaweza supporter le ma groupe ya pression yote, tu continue kutia pression. Kama hatutie pression ba ndugu yangu, tutakuwa tunafanya kazi ya bure. Tutakuwa tunafanya kazi ya bure. Yangwana nazo luka, nazo yebi saba kinoa, nazo yebi saba kombata ya IDPS. Soki bango bazako se distress, bango balingi makambo, oh no, oh okay, gouvernement. I gouvernement tena kuya, haita tatua kitu, la paix ne viendra pas de chez nous. Bandugu yetu ba kongole mutusaidie venye muko fasi yote. Tunankuraje venye walianja mouvement Uvira, Bukavu na Goma. Ba continue sur le même lancer de front ya kusaidia watoto wa Beni. Si wote tuko inchi moya, hakuna mgeni kwetu mwenye kona anapenda seme usalame pia kwetu. Bageni wanapenda ivurugano continue pour que mama inchi zabo zi continue kubeneficie na ma exportation illicite na quelques Congolais wenye biko implike mwi mama mabitu ya kujisha maor ma matière première. Na wale wa Congolais wa commerçant, na njomana tunasema tunatire attention wa commerçant. Ba commerçant toujours na population parce que moi j'ai exécuté ma activité zenu tuliona banande banaenda kukuvuma Kinshasa. Hapana, kwetu tunapaswa pa protéger mali yenu, mulitoshaka kubulongo yenu, mali yenu amukuifanyia Kinshasa, mali yenu mulipatiaka kule Beni kule Butembo, na njo kwenye mnapaswa kuprotéger. Murudie mali yetu, tuitie ensemble pour que tufukuze MONUSCO. MONUSCO njo kichwa. Alishakuwa desampare, alishakosa kama fai na muna gani. Kama tunaanja hivi, kagisi tulianja, na tukontinye mpaka depare ya MONUSCO, tutakuwa tunakata kichwa ya watu wenye biko wanaua watu kwetu. Na njo message yenye mimi nilikuwa nasema nibapatie rapport ya yenye vilifanyika na point de vue ya Veranda Mutsanga, na point de vue ya mama, na point de vue ya watu wote biko wanaimba tous les muko munaona hii mouvement, tutaiacha tu hivi bandugu yetu. Nous allons continuer et jusqu'à ce que nous perdons tous ceux qui sont en train de nous massacrer. Nous devons écarter l'ennemi auprès de nous. Merci beaucoup en tout cas, njo message yenye nilipashwa kubapatia leo. Tutaonana tena mu émission semaine prochaine. En tout cas, semaine prochaine, il quoi semaine mois décisif. Tuendele mpaka fin du mois, mpaka conseil de sécurité. Kama bata siéger, batu yabo baende babambie. Kama hatuta acha hii mouvement, mpaka baende. Merci de nous avoir suivis. Continuez à partager ces émissions. Abonnez-vous aussi nombreux à Contact Pro Live. Ça nous fera du bien. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ingeta.